disposer d'un droit légal de rétractation ou du coup. Bonjour, enchanté, enchanté. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les mecs, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous voyez ma tête, comment je suis beau, je suis magnifique, je suis impérial. Aujourd'hui les amis, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Ne regardez pas. Oui, bon, allez. Mais en fait, moi j'ai trouvé un style avec cette plaque enduro. Vous, vous aimez vraiment pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans les commentaires, on va lancer un débat. Vous mettez team plaque enduro, team plaque cross. Je vais compter comme ça avec mes petits doigts et je verrai bien lequel l'emporte. Mais en fait, je me dis que là, tu vois, gendarmerie ou quoi. Ouais, nananina. Ouais, Rogan, j'ai un phare. C'est réglo, non? Bref les amis, avant que la vidéo commence, je vous invite tous à souscrire à la chaîne parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça me soutient énormément pour tester ce genre de véhicule. Du coup voilà, je remercie la marque Smolemix comme d'hab qui m'a envoyé la bécane. Tous les liens sont en description, vous avez 10% avec le code Leonat10 sur toutes les pièces et les équipements et tout. Voilà, si tu veux de l'huile ou quoi, Leonat10, t'as capté. Et pour les bécanes, parce que oui, tu peux aller t'acheter un petit véhicule, ils font du quoi, du buggy, de la dirt bike, de l'électrique même. Alors là c'est moi, je veux tester l'électrique, je veux tester le vélo électrique, ça s'appelle un Suron je crois, ça serait une dinguerie. Bref, je parle pas de ça. Vous avez 5% sur toutes les bécanes, tous les véhicules. Le code est Leonat5. Tout est dans la description. Bref, les amis, il y a un petit concours qui est directement en ligne sur mon Instagram avec Roof. Du coup, n'hésitez pas à les participer. C'est les prémices du méga gros concours. Là, je vous prépare un big concours pour les 150 000. Même si bientôt on est déjà à 160 000, 140 millions. C'est pas grave là, la durite elle se balade comme ça là. Tranquille. Bon, lui il court. Sauf que moi il faut que je le dépasse. Faut que je sois plus rapide que lui. Sinon après je vais le rattraper. Et je vais devoir attendre. Donc on va se dépêcher. Il court vraiment trop vite hein. Je vais devoir être plus rapide que lui. Je serai plus rapide que lui. Allez, allez go, allez. Je mets ma ceinture pour la muscu. T'as capté, la ceinture du développé couché. Depuis que je soulève les 200 kilos à la salle, je suis obligé de mettre une ceinture. Je te jure, il faut que j'aille plus vite que lui. Il faut que je me dépêche. Il arrive, il arrive, il arrive. Putain, il est vraiment là en plus. Allez, go, go, go. C'est bon. Je les fume tard. Bref, les amis, je vous ai même pas dit ce qu'on allait faire aujourd'hui, à part se prendre tout dans les jambes parce que ça a poussé. Je vous ai même pas dit le thème de cette vidéo, mais ouais, mais quel mauvais youtubeur suis-je? Les amis, aujourd'hui on se retrouve, avant de finir dans le fossé, on se retrouve avec la dirt pour un test de VMAX. Là vous allez me dire, mais Léo, on achète une dirt, c'est pas pour faire de la VMAX. Mais t'achètes un truc, tu veux savoir à combien ça monte? Papier, données constructeur, 80 à 90 km/h. Donc, moi je suis là pour vous prouver ça et vous démontrer ça si oui ou non, dans l'ornière. Alors moi, je vais direct donner les pronos parce que ça va être des données GPS qui vont s'afficher à l'écran. Moi, je dis qu'on tape pas les 90 parce que vous allez voir que plein gaz, waouh, évitement, ça c'est mon cousin Jackie Chan. Vous allez voir que données constructeurs entre 80 et 90 km/h, moi j'annonce pas ça du tout. J'annonce pas ça parce que quand je mets plein gaz, elle a des trous, ça c'est le réglage soupape à faire. On m'a dit entre 0,0.3 et 0,0.5. Donc moi je vais le faire, je vais faire un réglage. Donc moi je vais faire un petit réglage soupape et après on verra ça. Et donc là on a la magnifique ligne droite, on revient sur le spot habituel avec la grande ligne droite pour tester ça. Mais avant on doit aller faire le petit tour habituel hein. C'est quoi ce bordel? Ah c'est du pollen, oh, on dirait de la neige. Wouh. Normalement il y a la GoPro à l'arrière. Vous allez kiffer les plans. J'essaierai de vous mettre les données GPS, dites-moi si vous les voulez pour toutes les vidéos. Je vais vous les mettre à l'écran et dites-moi si vous les voulez bah, pour toutes les vidéos pour voir la vitesse du bolide allemand. Comment ça change en fait? Ça fait longtemps que je suis pas venu et du coup ça a grave poussé. What? Mais en vrai c'est trop drôle à rouler ça. Je me presse d'aller sur terrain vous essayer ça. Hop. N'hésitez pas toujours à me donner des petits conseils de pilotage. Parce que quand je vais aller sur terrain, il va falloir prouver c'est qui le meilleur. Non, 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 non. Hop, voilà, on esquive. Ah, ah bah oui. Ah bah oui. Vous êtes prêts pour un roadrage là? Non. Hop, la musique là. Oh, les droits d'auteur là. Eh, c'est malade. Ça va les mecs? Pourquoi il me regarde comme ça lui? Il y a une tête de pimpreluche. Alors. Ça dit quoi les mecs? Hop les. On mange un bout. Y'a quelqu'un? Ah oui.
Le voisin il va se dire mais qu'est-ce qui branle? C'est mon nouveau décor de vidéo. C'est même pas garant entre les lignes. Hop, laissez-moi couper le V8. Les amis, regardez ce que j'ai reçu. Eh, si c'est pas top ça, regardez-moi si c'est pas beau ça. Donc là les amis, je vais vous présenter les produits de chez iFood. Donc c'est iFood qui m'a envoyé ça. Donc les amis, c'est une sponsor. Et là, franchement, c'est une sponsor qui me ravive le cœur. Regardez les amis ce que c'est. Alors tout simplement, ils font plein de gammes de produits. Alors les boissons, les sachets et les bars. Et là, juste pour la vidéo, on va tester les boissons et les bars par la suite. Mais regardez tous les goûts qu'il y a. Et du coup, là c'est le petit déjeuner. J'ai pas déjeuné. Donc moi je me dis que c'est le meilleur moment de goûter ça et de vous faire mon ressenti à chaud. Donc là on a du classique chocolat. Je pense que ça va partir sur du chocolat, frère, parce que sinon. Le smoothie vanille à la rigueur, le smoothie coconuts, donc ça c'est la noix de coco, le banane ou le café. Alors moi je suis pas trop café, ouais j'ai 18 ans mais je suis pas trop café mon ref. Je pense on va partir sur un chocolat en valeur sûre. Hein. Elle est pas équipée tournage cette voiture. Eh mais si, elle on est carrément trop bien positionné. Bon alors on va tester le choco, classique choco vraiment je vais vous dire. Hein. De toute façon ils m'ont dit... T'es transparent Léo, ok c'est une sponsor mais t'es transparent, tu dis tout. En fait ces boissons c'est pour un substitut de repas, ça, à ce qui paraît hein, ça vous cale pendant 5 heures, c'est-à-dire en mode t'es sur terrain, enfin moi pour moi, ce qui pourrait me servir, je suis au circuit, je suis au terrain, j'ai faim, substitut de repas, je sors ça tu vois si... Parce qu'en plus de ton, tu manges un petit sandwich, ouais t'es pas calé de ouf. Hop. Et là ça tombe bien, j'ai pas déjeuné. Oh ça sent comme le banania. Bah ça sent du chocolat, par contre c'est froid. Faut pas que je le chauffe, bah non. C'est genre en mode, tu le mets dans ton sac, tu le sors dans la nature, frérot, c'est Koh-Lanta. Ah, c'est épais. En vrai, c'est grave bon, hein. Le choco est validé. Le choco est validé à 200%. Mais genre en mode, tu me donnes ça au milieu de la forêt, j'ai faim. Je sais pas si ça va vraiment caler parce que un petit cordon bleu pâte là franchement, cordon bleu pâte tout ça, eh y a pas hésité, c'est le cordon bleu pâte. Mais si ça peut me caler pendant 5 heures en vrai, en plus c'est super rapide hein. T'ouvres ta bouteille, tu bois. Il y a combien? Alors, il y a 500 ml. Ah ouais, il y a quand même 1 demi-litre. Je sais pas si je vais tout boire là maintenant. Ouah, le chocolat, il est validé à 2000%. J'avais peur de m'attendre à un goût en fait de moitié choco pas choco. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, par contre, je vais me recentrer sur mes lignes parce que je suis pas bien centré et j'aime pas ça. Eh non, mais en vrai, après, faut voir ce que ça donne, hein, par contre, avec le Crazy Coconuts, le Happy Banana et tout le bordel. Mais là, moi, je suis grave satisfait du chocolat parce qu'en fait, je m'attendais à un truc genre en mode... Ouais, vas-y, attends 2 secondes, René. Je viens juste me garer. Voilà, entre les lignes, René. Voilà, moi, je fais les choses bien dans la vie. Merci, collègue. C'est bon, on est bien. Donc, ouais, je disais, les mecs, faut voir ce que ça donne. Avec genre en mode ça, smoothie banane. En vrai j'ai trop envie de goûter hein. Je pense que je vais goûter, je vais vous faire un deuxième ressenti hein. Climatiquement neutre, ça veut dire que c'est des emballages recyclables. C'est bien, hey, Nutri-Score A. Donc pour ceux qui veulent tout ça là, les... Je crois que c'est Yuka, c'est ça l'application là où tu scannes là. Hop, hey, je suis pas payé pour Yuka, envoyez le chèque. Non mais en vrai le chocolat par contre, hey, attends je vais reprendre parce qu'il est méga validé. C'est pas parce que c'est une sponsor ou quoi. De toute façon ils m'ont dit, t'es transparent, si nos produits c'est nul tu nous le dis. Ah non, c'est validé. En fait, t'as un premier goût de crémeux. Pas de crémeux, mais genre de gros. En fait, je pense que c'est parce que c'est bourré de nutriments. Ouais, ça se dit. Hein. C'est bourré de nutriments, mais en vrai, c'est validé de ouf. Hein. Et par contre, quand les marques font des efforts d'emballage comme ça, c'est trop, trop beau. Regarde, tu reçois ton truc. Alors, je sais pas si on peut commander au détail. Je pense que genre, tu choisis ta box, tu mets ce que tu veux. Je mettrai tous les liens en description. Mais en vrai, ça a l'air d'être énervé parce que la présentation est super belle. Et vous allez voir qu'après, on va vous tester les barres chocolatées et ça a l'air d'être incroyable aussi. Pas droit de rage, moi je m'entends très bien. La dernière fois que je suis venu, j'ai parlé avec tous les agriculteurs d'ici. Pas droit de rage, c'est mort. Bonjour. Voilà, tu vois, t'enlèves la visière, il voit ton visage pour te dénoncer, faire un portrait robot. Et après, tu lui dis bonjour et tout, tu vois, c'est le couz. Ah bah, fond de gaz. Ah, tu vois, t'entends le bruit. Il y a un petit problème de bruit là, je crois. Ah bah ça fait des pop-corn là. Non mais en vrai j'adore, le gabarit c'est incroyable. Pour ceux qui voulaient savoir, la différence entre un cadre de 125 et un cadre de 150, bah il n'y a aucune différence. En gros c'est les mêmes cadres, les mêmes tailles de roues, c'est juste le moteur qui va changer.
Non, attends, il y a plein de monde. Dis-moi pas qu'il y en a un qui va appeler la gendarmerie. Parce qu'en ce moment, ils sont chauds patates. Hein. Oh, j'aime bien, c'est beau. En ce moment, non, ils sont chauds patates de ouf. Pour faire tout ce qui est arrestation et tout. C'est pour ça que quand on va être sur terrain, on va être grave mieux. On va faire des petits sauts, des petits doubles. Moi, j'ai trop envie de voir ce que ça donne sur des sauts et tout. Hein. Donc, on va faire ça incessamment sous peu. Et là, on se retrouve sur la magnifique ligne droite. Hein. Mais moi, je vous dis, il doit avoir un truc à régler. Par contre, regardez ce qui est trop drôle quand ça dérape. Bah là, on le verra à l'arrière. Regardez, on va essayer de faire un beau petit dérapage. Eh, ça dérape, hein, vous avez vu? Ah ouais, mais par contre, elle a le démon. Hein. Bon, je pense que le tour de chauffe est fini. Moi, je dis, on va faire en 3 essais, on va faire une moyenne de la vitesse max. Et on va faire, bien sûr, un départ GP. Voir ce que ça donne. Un grand prix, frérot, on va faire. C'est l'enduro qu'on va faire ici. Ah, attention, toutou. Ouais, j'ai pas envie de manger des chipots à midi. Oh mais comment ça claque. Là moi faut vraiment que j'apprenne à passer ici à fond. Faut que je me fasse coacher. Parce que là je suis sûr que je peux tout passer en accélérant dès l'intérieur. Oh mais c'est passé quoi là frérot? Il y a un truc qui a cramé. Ah c'est une voiture non ça? C'est un bout. Ah non c'est une moto, je sais pas, il y a un bout de pare-brise. Bizarre hein. Hop 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 ça passe. Oh la sortie là. Eh c'est pas normal. C'est pas normal pour qu'une dirt elle pète autant. Ah mais c'est un truc de ouf. Ah mais ça fouette hein, ça sur le côté hein. Non mais là je pense qu'elle est bien chaude. Vérifiez toujours les mecs parce que ça reste une dirt. Avant de partir, toujours vérifier que tout est bien, qu'il y a assez de graisse, qu'il y a assez d'huile, parce que ça serait chiant de serrer ça, quoi. Et à ce qui part, on m'a dit de bien vérifier qu'il n'y a rien qui se desserre. Donc moi, je vous transmets le message. Hein. Moi, j'ai vérifié. Prends la roue, là. Elle a pas l'air de bouger. Non, mais en vrai, regardez, elle a une petite gueule. Hein. Elle est grave sympa. Hein. Moi, j'adore. La couleur, en vrai, je pense que j'ai bien choisi. Hein. Et la ligne. Regardez la ligne. Elle devient violette, tout belle, en or, magnifique. Oh, ben ouais, regardez comment elle pète. C'est pire qu'un 4,50. Ah par contre je crois mon rayon, regardez. Ah mais il est cassé. Attends mais là frérot ce rayon là vous l'avez vu ou quoi? Oh là là. Attends frérot, quand je dis faut tout resserrer. Mais il serait passé Ah ouais, attends. Attends il... C'est vrai qu'il bouge pas mal. Oh non, j'ai dégueulassé mes gants. Les gants de chez 50 Factory, les amis. Malheureusement, moi j'adore taf avec eux. Ce qui me chagrine un peu, c'est toujours pas avoir de code promo pour vous. Je sais pas. Ah bah, premier problème, ça y est, nouveau titre. Gros problème sur la dirt. Non. Mais comment elle s'est percée? Bon, en plus, il a l'air méga solide le câble. Bah, c'est quoi ce bordel? Faites les pronostics dans les commentaires, les amis, avant que je teste. Celui qui gagne, eh ben il gagne une dirt. C'est faux, ça va coûter cher, ça va coûter cher. Non mais les amis, faites vos pronos. Pour ceux qui en ont, dites-moi à combien vous allez au max. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, n'empêche qu'il y a ce genre de petite dirt. Parce qu'en vrai, c'est super abordable et pour l'instant, bah c'est quali. Ça marche bien, tant qu'on n'a pas serré le moteur, ça ira. Voilà. Le 4,50. Oh ça fait du bien de rouler manteau ouvert, t'as tout l'air frais. Allez, ça check fort. Dites-moi les amis si vous voulez que je pose une ligne sur ce bestio. Si vous êtes chaud patate, dites-le moi en commentaire. Et s'il y en a qui ont déjà monté des lignes dessus, bah n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment le top et que bah il y a une différence quoi. Hop. Bon ok, on va s'en aller sur notre magnifique ligne droite. Objectif, bah faire la VMAX sur ça hein, frérot. Je sais pas s'il y a des jambons, on va essayer de pas tamponner. Bon c'est plutôt droit, donc ça devra aller. De toute façon on va pas le faire sur le bitume. Bon moi j'ai jamais fait départ GP de ma vie, on va voir hein. Oh mais il y a des trous là.
Bah je pense que le premier il a été foiré. Là on va se tirer un tuning frérot jusqu'au bout. Moi je dis là on tape un 60 hein. 60-70 je pense hein. Là on est déjà mieux parti. Ouais là on est mieux parti. On joue les héros. Ah bah là elle va avoir chaud. Là je pense que celui-là ça a été notre essai le plus concluant. Oh, oh attends. C'est quoi ça? Mais c'est magnifique. Attends, il y a l'armée ici. Attends moi je veux aller voir ça. Oh non moi je veux aller voir ça. Ah c'est fini le tuning là. Attends, j'ai vu un véhicule de l'armée là. Mais il va mettre une mine là. Hey il bombarde hein. On va refaire le débarquement les mecs. Accrochez-vous. Attends mais c'est quoi? Oh par contre il m'envoie une poussière. Mais c'est beaucoup trop stylé. Oh c'est trop lourd en plus. Mais attends mais c'est un véhicule d'époque ce truc. Attends mais il est beaucoup trop stylé. Mais non. Mais c'est quoi cette rencontre improbable? Oh c'est trop beau. Oh j'adore. Oh non mais le kiff. Oh j'adore. Mais c'est quoi? C'est une Jeep. Ah non mais attends. Mais tous ceux qui regardent les mécanos de l'Express là, ils doivent kiffer. Mais c'est beaucoup trop stylé. Bon allez moi je les laisse là. En tout cas comment c'est trop beau. Mais non. Ah il s'est fait plaisir hein, il est passé là le loulou. Oh non le kiff. Oh punaise. Dites-moi pour ceux qui ont reconnu le modèle. Mais franchement. Franchement, c'était beau gosse. Hein. Mais comment ça pétarade à l'arrière? Oh, c'est drôle, hein? C'est drôle parce que quand t'accélères, bah l'arrière il part. Donc même ça, c'est ce genre de sensation sur une petite moto. C'est beaucoup trop stylé à avoir. Bon, donc là on va tirer le troisième tuning dans ce sens là. On va voir si là ça passe. Bon, ce qui m'inquiète un peu, c'est que la roue arrière, les rayons ils sont un peu desserrés. Mais ça, on va aller régler ça après. Je pense en vrai, moi, partir sur un 60-70. Et on verra bien, ça se trouve je serai étonné. Et on verra qu'elle prend les 90. En tout cas, on verra. J'espère que vous aimez ce genre de petites vidéos. Avec des trucs imprévus comme ça, c'est beaucoup trop stylé. Et allez, c'est parti. Troisième test de la 150 RFZ. En grande roue, pour ceux qui demandaient. Voilà, c'est pas la petite roue, c'est la 17-14 à l'arrière. Et voilà, c'est parti, hein. Là je pense que là on a déjà aussi un bon tuning. Je pense que là on a assez bombardé aussi. Je pense, mais sur le passage de la 3 à la 4, c'est là qu'on perd de la puissance. Et ça serait bien de faire le comparatif entre un 150 et un 125, voir la différence. S'il y a vraiment une grosse différence, pourquoi pas essayer ça dans le futur, hein, on verra bien, on va appeler Small MX, on va appeler le patron là. Je suis pas satisfait de mon départ. Moi je veux vous montrer que ça y est, j'ai appris connaissance des vrais départs. Oh comment c'est satisfaisant des vrais départs. Parce qu'il y en a, ils font rupteur avant de lâcher l'embrayage.
et là on arrive dans la zone des trous. Là c'était déjà un meilleur départ hein. Mais je suis sûr que si je mets aucun poids à l'avant ça décolle, c'est sûr. Non mais en vrai, assez surpris toujours à chaque fois que je la prends, c'est trop drôle, je kiffe. Comme je vous dis, à voir sur terrain ce que ça va donner. Oh, c'est trop drôle, vous avez vu, on peut perdre l'arrière et tout. Non vraiment, c'est une moto bien pour délirer ça. Oh les amis, ce que j'ai failli oublier là, en plein tournage, j'ai faim. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va manger. Et alors là, pour ça, vous savez très bien, on va aller tester les barres de Chili Food. C'est Y, donc ça se dit aïe, genre en mode aïe, j'ai aïe, food, aïe, fouille, aïe, aïe, aïe. Oh, j'entends le moteur de la dirt, les mecs, ça se voit qu'il a chaud, hein. Ça se voit qu'il a tiré un tuning. On va le laisser se reposer tranquillement, pendant que moi je vais prendre ma petite collation. Donc franchement, déjà, l'emballage, il est plutôt stylé. Alors j'ai pris coconuts, white et chocolate. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, ah ouais. Ah ouais, attends, ça a l'air d'être un truc mastoc par contre. Donc toujours, en substitut des repas, une boisson, une petite barre chocolatée. J'ai envie de... Ah ouais, oh c'est tout bon. Oh, oh ça a l'air mastoc de ouf, regardez les amis à l'intérieur. Ah ouais. Ça fait un peu un effet pâteux, sans trop être pâteux, comment dire. Par contre, validez le coconut slash chocolat blanc. Ah, validez de ouf hein. C'est un truc qui est fat, je sais pas combien ça fait en grammage. Je crois que ça fait 26 grammes si je dis pas de bêtises, hein, si je ne m'abuse. Donc voilà, en tout cas les amis, et regarde, béquille instantanée, tu mets tout d'un coup, hop, c'est opérationnel à 200%. En tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Eh, je suis bête, hein, mais je peux même vous prendre là pour parler. Voilà, j'espère les amis que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On se retrouve dans les commentaires pour une prochaine vidéo. On remercie Small MX, tous les liens sont en description. C'est ce qui va nous permettre de s'amuser. Oh non, j'ai mis de l'eau sur la roue arrière. J'espère que c'est que de l'eau, hein. Il y a pas une petite fuite quand même. Cette magnifique ligne qui bleuit, mais moi j'ai envie de lui mettre une ligne tuning. Moi j'ai envie de voir ce que ça donne avec une ligne tuning. En tout cas les amis, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. 4000 pouces bleus, on ressort la dirt. À vos claviers, c'était quoi ça? J'appelle à quoi là? Venez me suivre sur Instagram, vos avis en commentaire. Les amis, dites-moi si ça, je dois l'enlever ou pas. Je pense que non, c'est une protection. Mais dites-moi parce qu'en vrai, là, je pourrais couper. Mais non, je pense que c'est une protection. Allez, sur ce les mecs, à la prochaine. Ciao. Du coup, je vous dis aussi au revoir. Bisous.